Yo la Mifa, c'est moi, c'est MC Lord, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, j'avais envie d'en faire une nouvelle, en fait, un nouveau format de vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu là, bah vous, si certains reconnaissent cette page-là, cette fameuse page, je suis sur Audacity. Donc comme son nom l'indique, aujourd'hui, en fait, je vais tester un nouveau logiciel de mixage. Du coup, oui, j'ai décidé en fait de faire une petite format vidéo, comme ça, bien sûr, je pourrais pas tester tous les logiciels de mixage, parce que certains sont payants et assez chers, des fois au prix. Mais par exemple, celui-là est gratos, donc c'est pour ça que je voudrais tester Audacity. Parce que Audacity, déjà, faut savoir un truc avant de commencer les vidéos. Je vais faire une introduction. Audacity a beaucoup été jugé. Et oui, Audacity, en effet, a énormément été jugé par rapport à ses capacités. Alors moi, bien sûr, moi qui n'y connaissais rien à Audacity, moi qui connaissais tout à Adobe Audition, je vais vous présenter, du coup, enfin, je vais tester, en fait, là, je ne vais pas pouvoir vous présenter, bon, je ferai peut-être une vidéo où je vous présenterai Adobe Audition. Mais bref, en fait, là, je vais vous tester Audacity, en fait. Donc voilà, je vais clairement tester Audacity. Parce que Audacity, en vrai, je n'y connais strictement rien, quoi. Et donc, bah, je me suis dit, en fait, voilà, vu que c'est une application beaucoup jugée, un logiciel énormément jugé, et bah, pourquoi ce serait pas l'occasion, enfin, pourquoi pas ce serait l'occasion, tu vois, de faire une petite vidéo comme ça. Bon, je vais juste remettre un petit peu de la normale. Voilà, hop là. Attendez, ah, j'aime pas, bah, voilà, comme ça. Donc, bref, aujourd'hui, on va tester Audacity. Donc, c'est parti, on va enregistrer un petit texte normal, hein, tranquille, tu vois, tranquille, ouais. C'est parti, donc je vais enregistrer un petit texte sympa, sympathique, assez sympathique. Alors, hop là, donc c'est parti, me voilà avec mon téléphone pour les paroles et avec le logiciel et mon fameux micro Tonor, du coup il va me permettre d'enregistrer. Allez, c'est parti. Ramène-moi une bouteille de Kronenbourg car on arrive dans cette fête. Tu veux clasher? T'es qu'un sale mytho, tu viens pas du 7-7. Je fais du programme informatique au lieu de faire du rap manager. Lui ça le saoule pendant que je passe mon temps à regarder Pornhub. Il passe mon temps à me produire des instru trap, à me produire des instru trap. Quand il vient chez moi, c'est le bordel. Seringue par terre, fringue par terre. Joint de bœuf, et je suis pas là pour te plaire. Depuis que j'ai violé le rap game avec mon album, on me prend pour Emile lui. Alors fais gaffe à tes punchlines si tu veux pas finir au trou comme lui. Lol. Oui, je sais, je suis démodé. On est en 2021 et je dis toujours lol et je joue à lol. Même si je suis mignon, je suis comme un pot de colle. Non, je déconne, ta grand-tante la folle. Conclusion, c'était bien nordique. La famille, là, je pense que je vais refaire cette prise-là parce qu'en fait, je me suis vraiment raté. Donc, c'est parti. Hein. On va refaire la prise. Voilà. Allez, c'est go. Du coup, on va tout refaire du début à la fin. Allez, c'est parti. Attendez. Voilà. Donc ça aussi pareil, c'est pareil, on va éradiquer. Yo, yo, MC Lord, allez. Ramène-moi une bouteille de Kronenbourg car on arrive dans cette fête. Tu veux clasher? Tu es qu'un sale mytho, tu viens pas du 7-7. Je fais du programme informatique au lieu de faire du rap, mon manager lui ça le saoule. Pendant que je passe mon temps à regarder Pornhub, il passe mon temps à me produire des instru-trap, Quand il vient chez moi... C'est le bordel, fringue par terre, joint de bœuf. Je suis pas là pour te plaire. Depuis que j'ai violé le rap game avec mon album, on me prend pour Emile lui. Alors fais gaffe à tes punchlines si tu veux pas finir au trou comme lui. Lol, oui, je sais, on est en 2021, je suis démodé. Je dis toujours lol et puis je joue à lol. Mais je suis mignon comme un pot de colle. Non, je déconne, je suis le mec le plus énervant de la terre. Ta grande tante la folle. Allez, je vous laisse, je vais aller regarder des meufs se faire prendre en laisse. MDR, scou. Ouais, ma gueule. Donc voilà, là on a un petit semblant de parole. Voilà, alors c'est pas très adapté, hein, je reconnais, mais avec ça sur la main. Yo, MC là, allez. Ramène-moi une bouteille de Kronenbourg car on arrive dans cette fête. Tu veux clasher? Tu es qu'un sale mytho, tu viens pas du 7-7. Je fais du programme informatique au lieu de faire du rap, mon manager lui ça le saoule. Pendant que je passe mon temps à regarder Pornhub, il passe mon temps à me produire des instrus. Donc là, ce qu'on va faire, par exemple, déjà, c'est qu'on va regarder un petit peu tous les effets de masterisation, s'il y en a, bien sûr. Induction, isolation vocale, limiteur, fondu enchaîné de pistes, machin, je sais pas quoi. Cours de la batterie, on sent, mais oui, je suis con, elle est sur auxiliaire. Donc là, bah, par exemple, on va faire un petit effet, je pense, on va mettre, je sais pas, attends, je réfléchis.
Réverbation par exemple. Allez, on va tester la réverbation. J'ai pas testé ceci. Bien, MC là, allez. Ramène-moi une bouteille de chromium. Désolé, la notification pile au mauvais moment qui est arrivée. Bah, la réverbation, je peux reconnaître, elle est pas mal. Au niveau de ce qu'on a fait là, la réverbation, ça peut faire quelque chose, ça peut donner un petit effet. Bien, MC là, allez. Alors peut-être si j'enlève le gain quand même, par exemple, si j'enlève le gain de la réverbation, peut-être ça peut le faire. On réécoute. Bien, MC là, allez. Allez, je vais baisser un petit peu la langue stéréo. Bien, MC là. Non, c'est pas ça qu'il faut baisser. Putain, moi j'y connais pas un montage. Bien, là, c'est pas mal. Allez. Je sais, il faut baisser la grandeur de la pièce. Bien, MC Lord. Là, allez. C'est moins gros que tout à l'heure. C'est par exemple, on a écouté Yo-Yo MC Lord et là, réécouté. Bien, MC Lord. Voilà, et donc là, par exemple, si je remets une dernière fois. Bien, MC... Voilà, donc ça baisse le son. Donc moi, je dirais, après, voilà, au niveau de la modulation, c'est pas si mal quand même. T'as des bons modules, je trouve. Donc j'aime pas mal. J'aime bien. Je vous le dis, j'aime bien. J'accroche à ceci. Tu peux générer des bruits, par exemple, si on essaie de générer des gazouillis, j'en sais rien, mon sa mère. Ah, c'est horrible, non, pas des gazouillis, ouais, vous êtes sérieux, bande de bâtards. Oh putain, tu peux générer des trucs. J'y crois pas. Attends, ça va plaire à ma petite soeur, je pense. Oh non, c'est pas vrai. Oh putain. Non, vous faites vraiment des... Ah, c'est dégueulasse. Non, désolé, hein, mais bon, je vais pas être méchant, mais bon, hein, vraiment, j'aime pas vos générations. Hein. Ça, c'est pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, maintenant, passons à la piste... comment dire? Attendez. Passons à la multivue. Voilà, c'est ce que je voulais faire, multivue. Non, c'est pas ça, putain. Je suis con. Forme d'onde. Essayons du coup de faire un nouveau format du coup pour attendez, déjà on va l'appeler couplet parce que justement moi j'ai envie d'essayer la multipiste pour voir ce que ça donne en multipiste. Hein, pardon, attention, pardon. Donc là par exemple si j'essaye de foutre une autre piste instrumentale, enfin une piste instrumentale dessus, attendez, faut dire que je trouve, hein. Je suis désolé, oui je sais, je suis vieux, voilà, tranquille. La vie est belle, hein. Oui, ne vous inquiétez pas, les vieux. Je parle comme moi. Trier les pistes par heure, machin. Mais il n'y a pas de multipiste ou quoi dans notre truc. Ajouter une nouvelle. Ah, voilà, piste mono. Ah, bah voilà. En fait, c'est la multipiste, c'est directement. Comme ça, directement. Ah, donc là, alors je vais importer un audio, du coup. C'est. Non, putain. C'est un truc de vieux ou quoi, Audacity? Attendez, faut du coup que je me rende dans musique. Téléchargement. Ok, donc là par exemple, je mettrai une musique qui a quand même assez en rapport avec ce qu'on a du coup. Capitaine, non, c'est pas celle-ci. J'ai tellement de musique que j'ai téléchargée sur Radio YouTube. Même trois si vous voulez, je mettrai le lien dans la description. Non, je déconne, après, je vais me faire bannir de YouTube si je mets des liens illicites. Oui, je reconnais que j'ai eu un petit peu des inscrits en version craquée. Donc voilà, oui, je sais, en effet, je suis un connard. Je suis un gros connard. Par exemple, attendez, je réfléchis. Il y a pas l'instrumental de jalousie par hasard que j'avais pas téléchargé. Tout va bien, je fous ça, vas-y, on voit ce que ça donne. Importation de la piste. C'est là quand même qu'on voit comment la piste que j'ai fait est petite, contrairement à tout ce qu'il y a. Je sais pas, j'ai voulu tester avec Pasteur le Salam par exemple, donc voilà. Après, du coup, directement, je peux quand même baisser un petit peu le volume de la piste. Et écoutez tout. C'est là, allez. Ramène-moi une bouteille de chromium pour qu'on arrive dans cette fête. Tu veux clasher, tu veux dans cette mytho, tu viens bas du 7-7. Je fais du programme informatique au lieu de faire du rap, mon manager, lui, ça le seul. Pendant que je passe mon temps à regarder porno, il passe mon temps à me produire des instruments rap. Quand il vient chez moi,
C'est le bordel. Fin de parterre, joint de bleu. Je suis pas là pour te plaire. Depuis que j'ai violé Laura Game avec mon album, on me croit que j'aimais lui. Alors fais gaffe à tes punchlines si tu veux pas finir au fou comme lui. Lol. Oui, je sais, on est en 2021, je suis démodé. Je dis toujours lol et puis je joue à lol. Mais je suis mignon comme un peu de colle. Non, je déconne. Je suis le mec le plus énervant. Au niveau de la punchline, il y en a quand même. Hein. Mais par contre, au niveau de ce que j'ai fait, au niveau de flow, par contre, c'est de la merde, j'avoue. Peut-être que certains haters avaient raison, je n'ai pas de flow. Enfin, en tout cas, pour ça, je dis pas que j'ai pas de flow, je dis pas que j'ai jamais de flow. Faut pas se dévaloriser, c'est pour ça que je m'appelle MC Lord. Yo. Non, je disais, putain, les gens, après, ils croient que je dis au revoir quand je fais ça. Bref, non, je dis pas que j'ai pas de flow, mais vraiment, je trouve, sur ce son-là, en tout cas, j'ai pas tellement de flow. Enfin, bon, là, c'est juste un test. De toute façon, je vais pas exporter la pub, je vais rien faire. Pour ça, c'est parce qu'en fait, elle m'intéresse pas. C'est le bordel. Fin par terre, joint de bleu. Je suis pas là pour te plaire. Depuis que j'ai violé Laura Game avec mon album, on me croit que j'aimais lui. Alors fais gaffe à tes punchlines si tu veux pas finir le trou comme lui. Là, en 2021, je suis démodé. Moi, ce que j'aime bien, quand même, c'est la modulation. Il y a quand même certains trucs qui sont pas mal en modulation. Après, je dis que Audacity, il faudra peut-être qu'il améliore quand même le compresseur. Attends, c'est quoi ce compresseur? Eh, hey, j'avais pas vu ça. Compresseur, j'adore les compresseurs, moi. Yeah, MC là. Oula, ouais, alors attends, peut-être on va baisser un petit peu la compresse. Yeah, MC là. Attends, faut peut-être. Ah, mais je sais pourquoi, faut que je baisse le gain par exemple. Attendez, je sais pourquoi ça fait autant de bruit. Hein. Attendez, je vais baisser le gain et normalement ça va être bon. Je vais repartir sur effet et donc on va remettre parce que ça m'intéresse quand même. Ah, attendez, un égalisateur graphique. Yeah, MC là, allez. Non, bah, attendez, on va essayer un truc avec l'égalisateur graphique dans ça. Par exemple, on va essayer de moduler n'importe comment. Alors, hop, là, voilà, je fais n'importe quoi, hein, j'essaye juste. Ça fait une petite forme. Yeah, yeah, MC là, allez. Ah oui, ça a quand même un petit, ça a quand même fait un petit effet, hein, ouais. Non, voilà, j'aime bien, j'aime pas mal. On retourne dessus, donc moi, ce que je vais avoir maintenant, c'est si j'enlève. Yeah, ah, oui, yeah, ça change. MC là, allez. Alors, regarde, par exemple, si je remets à fond le truc, en fait, et bah, directement, ça va tout niquer. Non, bah, moi, ce que je peux dire, comme c'est un très bon logiciel, quoi. J'aime beaucoup. Yeah, MC là. Bon, c'est ce qu'on voit, là, c'est pas très bien amplifié. Du coup, peut-être, je vais aller dans amplification et je vais peut-être baisser un petit peu, quand même, le volume. Yeah, MC là. Voilà, là, comme ça, au moins, on entend moins. Enfin, je veux dire, c'est. Yeah, MC là. Voilà. Ramène-moi une bouteille de chromant. Oui, là, non, on peut dire que quand même l'application est meilleure. Et du coup, là, directement, je peux y moduler comme ça, directement, là, depuis là, ce que vous voyez faire. Et bien, directement, là, dans réécouter le son. Yeah, MC là, allez. Ramène-moi une bouteille de chromant pour car on arrive dans cette fête. Tu veux te lâcher, tu es qu'un seul mytho, tu viens pas du 7-7. Je fais du programme informatique au lieu de faire du rap, mon manager lui ça le fait. Pendant que je passe mon temps à regarder Pornhub, il passe mon temps à me produire des instruments. Ouais, bah en vrai, quand même, voilà, je trouve. Après, Audacity, c'est pas si mal. Les amis, ça vient peut-être la fin de cette vidéo. Hein. J'aurais pu tester quand même ce que j'avais envie de tester. Non, Audacity, moi je dis pas que c'est des mauvais après. J'aime bien là ce qu'ils ont fait, ils ont géré. Moi je dis toujours parce que voilà, Audacity c'est un logiciel de mixage qui est beaucoup jugé, mais moi je trouve Audacity après c'est pas si mal si on voulait tester un. Alors je vous recommande quand même de peut-être vous renseigner toujours avant de choisir un logiciel de mixage payant parce qu'attention, hein, moi je me suis beaucoup renseigné avant d'utiliser Adobe Audition. Attendez, je vais juste vous montrer par exemple là j'avais une page qui était ouverte sur Adobe Audition. Donc là par exemple, si je vous montre juste, je vous fais juste un petit montre. Ah, mais je peux pas montrer les dents. Ah, attendez, si, je suis con ou quoi, ouais, je suis bête ou quoi. Ah, là par exemple, donc attendez, Adobe Audition, c'est pas vrai. Bref, Adobe Audition, attendez, putain, oh là, c'est chiant, ça me fout la haine en fait ces trucs là, vous voyez, c'est pas gentil, mais bon, ça me met les nerfs quoi. Alors attendez, baissez la page déjà. Ah voilà, donc non, c'est pas ça. Non, pourquoi j'ai dit ah voilà, je suis con. Bref, Adobe Audition, si vous voulez, je vous mettrai une petite image sur l'onglet communauté. Maintenant que j'ai le droit, oui, maintenant que j'ai mis l'abonné, j'ai enfin le droit de mettre des images sur l'onglet communauté. Du coup, je vous montrerai Adobe Audition sur l'onglet communauté de ma chaîne.
si ça vous intéresse. Et oui, en fait, je veux vous remercier pour les 1000 abonnés. Donc ça, par exemple, ça, je vais vous sortir... Bah là, je vous dévoile la surprise déjà qui va se passer. Donc vraiment, allez, je vais vous dévoiler la surprise dès maintenant. Je fais un feat avec un de mes abonnés. Bien sûr, ce sera pas mixé sur cette merde d'Audacity. Non, désolé, j'avais pas dit qu'il fallait dévaloriser. J'avais dit arrêtez de dévaloriser les applications. Bref, je me calme. Mais oui, donc voilà. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est... Enfin, non, je raconte. Je vais organiser, oui, un featuring. Écoutez bien, je vais organiser un featuring avec mes abonnés. C'est pour ça que je vous disais de rester jusqu'à la fin. Parce que oui, en effet, je vais organiser un feat avec mes abonnés. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à postuler sur mon Discord qui sera dans la description. Voilà. Donc merci. Tchuss la famille.